interview. Désolé pour cette note antique. Appareil de communication amélioré expérimental. Qu'est-ce qu'elle m'envoie encore, elle? Ça a jamais été bon, leur connerie d'appareil de communication, là. Ouah, c'est un téléphone portable! Je peux appeler des gens. Et nuit sur le réseau de communication amélioré de Timey, version 1.0, veuillez sélectionner les destinataires de votre appel. Bah, Timey, je vais casser les couilles. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Je suis trop heureux de vous présenter de nouvelles technologies qui changeront notre façon de communiquer. Attends, ça veut dire qu'à chaque fois... Oh, le truc... Oh non... Le truc relou, quoi... Est-ce que je peux claquer ça, là? J'ai pas de place! Je sais pas le mettre! Igorek a décidé de faire monter toute une colonie de mantes puisseuses à bord de mon aéronef. Et les chats de quelqu'un n'arrêtent pas de les tuer! Et j'espère que la situation est moins chaotique où vous êtes. Et si jamais vous vous ennuyez, j'ai du travail pour vous. On pourrait s'en occuper, mais on est débordé. Si je vois ça. Vous n'avez pas idée. Nous avons entendu parler de certaines occurrences étranges qui se passent dans le coin de la ville de Garenov, dans les collines de Kessex. Oh, à l'ancienne, on va retourner dans les vieilles contrées là. A déclaré que le cœur de la ville avait disparu. Pourriez-vous aller y jeter un œil? Oui, pas de problème. J'ai besoin de m'occuper. Tout le monde est. Gorik, repose-la. Désolé, commandant. Je dois filer. Je crois que quelqu'un veut organiser une mutinerie. À bientôt. On va dans les premières maps. Tout le monde va. Laisse tomber. Oren. Sur la Garenov. Garenov, pardon. Ça, c'est. Oh non, mais déjà, faut quitter. Il faut se barrer. C'est à la limite la première map à côté du spawn en fait. Quand tu spawns en humain, je crois que c'est là. C'est vraiment le tout début du jeu, quoi. Allez, bah en gros, nous on spawn ici. Et là, c'est là, juste en dessous. Il n'y a pas la zone, là, quelque part. Il n'y avait pas dit l'endroit. On va se taper là. On se re-TP en Irish, c'est bon, pas le temps. Ah bah oui, forcément. J'avais oublié. C'est là qu'on voyait le trailer. Bébé me réveille, je vais faire un tour avec lui. Ça fonctionne en général. Quand on a tourné au coin, j'ai réalisé que la tour ne masquait pas la lune, comme c'est toujours le cas à cette heure-là de la nuit. Elle avait juste disparu. Ah, parce qu'au bout, normalement, il y a un truc qui vole là. Elle était là avant qu'on aille se coucher. Et maintenant. Elle est plus là. Elle a disparu. Tu n'as pas senti une odeur bizarre ou vu quelque chose? Non, rien de la sorte. Elle a juste. Disparu. Je crois qu'elle nous a quittés. Yes. Il s'est passé quoi, tu crois? Est-ce qu'il se garait pas bien? C'est bon. Ça fait bizarre. Combinaison officieuse. Non, je te comprends. Il y a l'air le mec. Bordel. C'est un défi ça je crois en plus. Bon, je sais pas pourquoi je suis descendu tout en bas au début là, parce qu'il y a un mec au-dessus.
Il est là. Alors, bienvenue à Renfa. Garenov, putain, je suis pas lourd. Ancien siège du château d'Isgaren. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Mais pour l'instant, nous sommes tous un peu perdus. Comme la tour. Vous êtes aveugle. La tour du sorcier a disparu. Je suis désolé. Nous nous sommes au bord des nerfs ces temps-ci. Le village a subi une perte tragique. Le maire est bien, il n'est pas très utile en ce moment. Super. Super le maire. Allez, ah non, c'était lui. Comment est-ce que je suis censé protéger cette ville maintenant? Je suis le seul. Qu'est-ce qu'on a fait pour repousser la tour? Je cherche des renseignements sur la situation. Que pouvez-vous nous dire? Nous ne savons pas grand-chose, à part que la tour a disparu et que les villageois sont perdus sans elle, carrément. Quoi. Je sais pas. Pourtant, la tour, elle faisait rien. Tu pouvais pas y aller, tu pouvais rien faire avec. Hein. Le maire Morin et moi faisions de notre mieux pour calmer les gens, mais les troupes ne vont pas tarder à arriver. Je les attends, moi je vais les goumed. Hop là. Steven Gratos. Normal, elle était là-bas au loin là. On n'a jamais rencontré Isgaren. Il est... Pardon, je ne sais même pas si c'est vraiment un homme. On ne sait presque rien et on fait pourtant comme si on savait de quoi on parle. On fait ce qu'ils savent. En fait, on ne sait rien. Et maintenant, elle a disparu. Allez, mère Morin. J'aurais juré que c'était... Non, c'est... Ce n'était que des mensonges, j'ai tellement honte, les gens de cette ville, ils n'ont plus jamais confiance en moi. La tour du sorcier qui flottait loin dans le ciel, au-dessus du village, et qui veillait sur nous, a tout simplement disparu. Aucun d'entre nous ne sait ce qui est arrivé, et maintenant les villageois sont terrifiés. Quelque chose qui pourrait lier à sa disparition. Maintenant que vous lui faites penser, il y avait un groupe de personnes suspectes qui a débarqué tout juste après. J'observe certains des résidents les plus vulnérables de la ville, ceux qui ont été les plus touchés par la disparition de la tour. Ah oh, vas-y, mais il y en a 50 000. On va aller plus vite. Villageois terrifié. Ouh, ouh. Ah, ok. Ma tête. Qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelqu'un à shooted, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, je vais bien le goumed. Elle s'est fait goumed et du coup ça a fait bugger le perso. Bah écoute, je leur ai parlé, j'ai pété leur gueule. Ce n'était que des mensonges. Ouais, non, c'est pas joli. Par les 6, vous avez mes plus sincères excuses. J'espère que vous avez fait preuve de clémence. T'inquiète, ils reviendront plus. je t'ai un œil. Chercher la maison où les individus suspects ont été vus pour la dernière fois. Il faut vraiment que je pense à débloquer ces...
Tiens, monture là. Hein. Oh, il y a quelqu'un goumé. Il y a quelqu'un goumé. Mais non, c'est elle. Hein. Je pense qu'il faut goumer, mais je sais pas, après pas. Bon, elle est où leur baraque, l'eau? Il y a une baraque ouverte. Ça doit être là. Le flac est encore humide, indiquant que c'est produit il y a quelques heures, mais semble être constitué d'îles de cuisson. Ah ouais, ils ont fait des frites. Alors, du coup, on s'en fout. Cette affiche est un lambeau et présente un dessin d'un Quaggan vêtu de costumes picotés de flammes et nimbé d'énergie magique. Tiens, je vois rien, il y a trop de monde là. Bougez. C'est loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Changundaran. M'avait montré. Bon, je veux me fight. Je veux goumettre des gens, moi. Ça doit être. Vous allez devoir vous en aller. Vous n'avez rien à faire ici. Ah bon? Je ne vous avais jamais remarqué ici, alors j'ai eu envie de vous saluer. Fichez le camp. Quittez la zone. Bah non. Et on me donne pas d'ordre, moi, je te le dis. Tiens, achète ma merde là. Tac. C'est tout. Ça fait peur, wesh. Ça m'a fait peur avec ton coin. Il te voulait fort en plus. Si ça parle de communication. Ça c'est chiant ça, par contre je peux pas leur attribuer une touche. Je suis occupé pour le moment, alors je ne peux pas. On dirait que je vais devoir me débrouiller. Comme d'habitude. Pour essayer de me faufiler. Trouver un point de vue sur le sur depuis lequel observer le quin. Le quin. Comme par hasard, il y a un truc à côté. Comme de par hasard. C'est une blague là, je peux pas monter sur sa merde. Pas capté qu'on était monté en haut. Allez, let's go. Commandant sans cause, champ de Gandaran. Ah, c'est mieux. Il fait suffisamment sombre pour que je passe. Il va faire tout noir. Très bien. Ça a l'air dégagé. Le décret là. Wesh, ils sont attaqués par des trucs, frérot. Aidez-nous. Quelque chose se trame par là-bas. Il y a des trucs chelous, hein. Attends, mais il y a des trucs là. C'est le nom du truc. Faut que je fasse attention, il y a peut-être des succès. Hein. Pas de succès là? Non, il n'y a pas de succès. Ou j'ai déjà loupé, peut-être. Zone interdite. Pas de couilles. Ah, revoilà cette énorme ronchonne qui parle à un membre de son groupe. Je vais me cacher dans ces buissons denses pour lisser pieds.
Oh, on me voit pas. Oh merde, fallait dans les... en face. Vous avez rien vu. Dès que je verrai votre signal, je mobiliserai le reste du camp. On sera juste derrière vous. Essayez de vous cacher. C'est qui que je dois suivre là? Sûreté autour du camp. C'était comique. Voilà. Ça devrait aider pendant quelques temps. Faut que je me balade dans tous les buissons là, tu vas dire? Tellement pété, hein. Je peux me téléporter tranquillou. Faut y aller en YOLO Géronimo. Ce groupe, les gardes ne les expulsent pas. Ça ferait une bonne couverture. Quel groupe? Ah, faut récupérer des informations. Attends, je dois aller leur parler, genre. Mais c'est pas possible. Voilà. Ça devrait aider pendant quelques temps. Ah non, d'accord, je me faufile dans les groupes. Et là, on dirait que je joue Assassin's Creed, quoi. Oula, ça a beaucoup de sonne là. Bonjour. Les gens, faut que je parle aux gens. Wesh, ils viennent popper à côté de moi, calmez-vous. Je canalise notre mer et les étoiles dans les cieux, les racines dans la terre. Des morceaux abandonnés d'armure. Je pourrais m'en servir pour passer inaperçu. Lucaté, de loin. La vérité leur ferait trop peur. Ce n'est pas le moment. Et la décision ne nous a pas. Attends, il y a des trucs à récupérer. Suivez ma voix. Oh la galère! À chaque fois je me fais. Oh, j'ai failli me faire gauler, gros! C'est quoi mon chapeau là? Une caisse de ravitaillement. Je suis un buisson. Fait sur la caisse là. Ça fait rien sur la caisse, ça me récupère rien. Quelqu'un m'a l'air vraiment distrait ici. Je vais en profiter pour essayer de lui tirer les vers du nez. Arina a envoyé un groupe en reconnaissance pour étudier les fluctuations astrales. Il y en avait un là-bas qui part. La prochaine apparaîtra, mais on doit être prêt à se mettre en chasse le moment venu. Ah putain, faut leur parler aussi à eux. Il y en avait un là-bas qui se baladait tout seul. Ah, qui est tout. Pardon, vous êtes qui? Vous êtes sous les ordres d'Arina? Personne suspecte.
par contre, ils ont pas l'air ouf. Hein. Ils ont pas l'air ouf. Je pense pas que je puisse leur parler. Ils ont une zone là autour d'eux. Pas vraiment le temps de lire. Hein. Leur chef. Départ du groupe de chasse dans 1 minute 30. Ah putain. Nord-Rouchon. Oh, j'ai encore eu de la chance. Oh, il se retourne, je suis dans la merde. La tension est plutôt importante au nord. Peu de circulation à pied. Il y a deux trucs encore en bas. Il y a le time, il y a le time. Hop, en soum soum, comme on dirait dans le jargon. Elle a ramassé des racines pour Narcisse. Elle a assommé un fermier. Le pauvre, j'ose pas imaginer ce qu'il est obligé de voir. Ok. Et il est où le groupe en question là ? Du coup, la signification du corps. Bah, ils se regroupent en tout cas déjà. Déjà, ça pue. Le moment est venu, mes amis. Je vais tous me le faire. Vous analysiez la détermination de Mabon et la force de Dagda. N'oubliez pas, pendant que nous affrontons les cryptis en bas, nos alliés s'efforcent de sceller les brèches là-haut. Nous avons une chasse à terminer. Avec moi. Qu'est-ce qu'on chasse au juste? La gazelle. Suivre la garde astrale. Et calme. Bah, c'est des copains en tout cas, ils sont verts. Ouais, allez les copains, ouais, on va les chasser. Est-ce qu'on va chasser de la merde, je sais pas pourquoi. Il y a des Tengu. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est l'œil de Zoro, putain. Commandant, non, n'approchez pas. Putain, je me fais fuir. Ah, il y a des boss. Ah ouais, bah toujours pour ma gueule en fait. Succès. Faire face à toutes les menaces lors de votre enquête. Je vais calmer votre pote là. Ah d'accord. Ça dégage. Oula, je crois que j'ai tout fait bugger. Ah non, je me fais emporter. Non.